Premièrement, permettez-moi en ce jour de souhaiter à toute la communauté musulmane européenne un bon Aïd, puisque c'est la fête, la fin du Ramadan. Et puis la deuxième question, donc je voudrais, la première question que je voudrais vous poser, où sommes-nous par rapport à la levée de fonds? Est-ce que toutes les promesses ont été, je vais dire, remplies? Et est-ce qu'il y a un avenir par rapport à ce vaccin, vu qu'on voit qu'en ce moment en Chine, il y a quand même une évolution aux États-Unis aussi? Et la deuxième question, c'est par rapport à l'ouverture des frontières. Est-ce que ça sera discuté? Car en ce moment, il y a vraiment, je vais dire, à travers certains pays, des décisions qui sont faites. Mais je parle des frontières extérieures de l'Europe, pas des frontières intérieures. Merci. En ce qui concerne les progrès, je ne suis pas vraiment conscient de ceci pour l'instant. La Commission me proposait de coordonner les restrictions de fermeture des frontières. Jeudi, normalement, le commissaire responsable devrait en parler avec le Parlement européen. Quant au développement des vaccins, nous n'y sommes pas encore. Plusieurs initiatives sont en cours, aussi bien en Europe qu'un peu partout dans le monde, suite à une autre initiative de récolte de fonds. Plusieurs initiatives ont été lancées. 7,5 milliards d'euros ont été débloqués pour la recherche en vue de trouver un vaccin, mais on n'y est pas encore. D'autres questions? Non? Alors je souhaite toutes et tous une semaine très productive et on se revoit plus tard. Au revoir.